d'amour dans mon âme noire. S'est levé le jour, Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire et à Dieu soit la gloire. Gloire à Dieu, 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 prêchons depuis les trois premiers cultes du matin. We preached the three previous services of the morning. Sur le thème de cette semaine. On the theme of this week. Révéler les mystères des bains et des lavages spirituels. Revealing the mysteries of spiritual washing and bath. Je veux dire à l'église ce matin ou ce soir. I tell the church this evening. Nous avons prêché au troisième culte, au deuxième culte, on était en direct. During the second service, we were online. Il y a un frère qui m'a écrit de la France. A brother wrote me from France. Et il me dit que quand il était arrivé au Cameroun en vacances en 2018, je pense, when he came to Cameroon on holidays in 2018, un pasteur l'a amené à 8 km de la ville pour aller faire des bains spirituels. A pastor brought him at 8 km of the city to have spiritual washing. Lorsque je prêchais ce message tout à l'heure, message, il a fallu qu'on soit en direct pour que je réalise que c'est un phénomène qui concerne le monde entier. It took for us to be in love so that I realized it concerns the whole world. Les marabouts font des bains spirituels aux gens. We sort of do spiritual baths to people. Les pasteurs, les prêtres le font aussi. Pastors and priests do it too. Et quelles sont les conséquences sur la vie des personnes? What are the consequences on the lives of people? C'est ce sur quoi nous allons nous attarder cette semaine. That's what we are going to talk about this week. Lorsque parfois Dieu nous demande de prêcher certains messages, on se pose la question, mais pourquoi? When God asks us sometimes to preach some message, we wonder why. Et c'est quand nous abordons le thème que nous réalisons qu'il y a des choses qui ont été faites dans la vie des gens. And when we talk about, we realize things were done in the lives of people. Et j'ai commencé ce matin en disant que la base spirituelle des lavages est dans la Bible. The spiritual base of washing is in the Bible. La Bible dit qu'il y avait un monsieur appelé Naaman qui était atteint de la lèpre dans 2 Rois chapitre 5. Et lorsque Naaman se rapproche du prophète Élisée, Élisée lui dit, tu as besoin d'un lavage, d'un bain spirituel. Et Naaman dit, mais j'aurais pensé que tu aurais déclaré une parole, tu aurais imposé la main et la lèpre partira. Élisée lui a dit, tu as besoin de lavage spirituel. Tu as besoin d'un bain spirituel. Et Élisée lui a imposé de faire un bain 7 fois. And he imposed to dip himself 7 times. Vous savez, la Bible a certaines choses qu'on simplifie. We simplify some things in the Bible. Il fallait qu'il descende dans l'eau, il se lave, il ressort. It took for him to dip himself in qu'il the fasse water. Ce rituel 7 fois. To do it 7 times. Et après la 7e fois, il aurait réalisé qu'il n'y a plus rien sur son corps. And after the 7th time, realized nothing is upon the body. Il y a des gens qui se retrouvent chez des marabouts, chez des féticheurs. There are some people who go to see the witch doctor and fetishists. Et font des bains spirituels parce qu'ils ont besoin de guérison. They have spiritual birth because they need healing. Ils ont besoin de chasser la malchance. They need to chase away bad luck. Et d'attirer la chance. And to attract the chance. Ils ont besoin d'être élevés dans le travail. They need to be professionally promoted. Ils ont besoin d'être appréciés par un conjoint. They need to be appreciated by a partner. Ils ont besoin d'être appréciés par un partenaire. Or appreciated by a partner. Et j'ai expliqué au culte précédent qu'en réalité, lorsqu'on fait un lavage spirituel chez le diable, when we have a spiritual washing to the devil, chez les sorciers, chez les marabouts, the wizards and witch doctors, ce qui nous attire, ce qui nous donne des bonnes choses après ce lavage, ce n'est pas le fait qu'on soit devenu propre. Mais lorsqu'on fait un lavage spirituel, on le fait avec des éléments comme les œufs, certaines plantes,
C'est un parfum, certains aromates. Some perfume and spice. Et ces choses appliquées sur le corps de la personne créent une enveloppe autour de la personne. Those things applied on the body create an envelope around the person. C'est cette enveloppe, cette substance spirituelle qui attire donc tout ce que nous voyons après le lavage. That's what attracts all what we see after the washing. Mais cette enveloppe a cette capacité à faire du bien à l'extérieur, mais à pourrir de l'intérieur. That envelope can do good to the outside, but rotten the inside. Cette enveloppe spirituelle a une mission ayant une date de péremption. It has a mission with an expiry date. Et quand la date de péremption arrive, when the expiry date comes, la vie de la personne commence à se dégrader, the life of the person has been damaged, ses affaires commencent à être brisées et paralysées. And the business have broken. Il y a plusieurs personnes qui nous regardent à la télé, qui nous écoutent à la radio. Many people are watching on TV and listening on radio. Vous êtes tellement abonnés à cette affaire de lavage spirituel. You like to be washed spiritually. Mais laissez-moi vous dire que tout ce que le diable vous a donné par des lavages spirituels va finir par salir spirituellement vos vies. Will finish spiritually dirty your life. La seule personne qui peut nous laver réellement, c'est celui qui nous a créés. The only person who can really wash us is he who made us. Et les marabouts, les féticheurs, c'est qui nous allons pour se le faire laver. We sort of fetishists who we go to be washed. Ils ne sont pas en réelle connexion avec le Seigneur parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. And not a real connection with the Lord because they are not born again. Nous avons lu dans le livre de Actes chapitre 22. We read in Acts chapter 22. La Bible nous a dit que le baptême aussi, c'est de lavage. Baptism is used as washing. Nous lisons ce verset. Verset 16, il est écrit. Il est écrit. Et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Quand tu es baptisé, tu es lavé de tes péchés. When you are baptized, you are washed of your sins. Mais ce n'est possible que si tu le fais en invoquant le nom du Seigneur. It's possible if only you call upon the Nous avons expliqué Lord. Depuis ce matin, he explained since this morning. Ce n'est pas l'eau qui lave. It's not the water that washes. Ce sont les esprits invoqués en utilisant l'eau qui lave. But the spirit invoked while using the water that washes. Je répète, I repeat. Ce n'est pas parce que tu te laves dans une rivière que tu as aura des effets dans le monde spirituel. Mais ce sont les esprits qu'on invoque pendant le lavage qui produit ces effets. Et c'est pour ça qu'on a réalisé que toutes les personnes spirituelles qui font des lavages ont des endroits spécifiques où ils vont faire ces lavages. All those who do washing have specific places where they un féticheur, un marabout n'ira pas laver là où il ne connaît pas les esprits qui agissent dans l'eau là. C'est pour ça que tu verras un féticheur te traiter à Yaoundé mais aller te laver à Malmayo. That's why fetish can train in Yaoundé but wash him by my Tu verras un féticheur te traiter à Yaoundé mais aller te laver à Ezeka. He can treat you in Yaoundé but wash you at Ezeka. Parce qu'il est en connexion avec les esprits des rivières d'Ezeka. He's in connection with the spirits of the rivers of Ezeka. Alors la Bible nous dit dans le livre de Actes 22 combien de lire. So the Bible says in the book of Acts 22 we just read. Il faut se laver, il faut se baptiser en invoquant le nom du Seigneur. You must get baptized while calling upon the name of the Lord. Donc plusieurs personnes qui nous regardent dans les médias. Many people who watch us on media. Et qui trouvent que après leur lavage les affaires marche bien. Laissez-moi vous dire que ça marchera pour un temps parce que le lavage a créé cette enveloppe. Mais ces lavages ont pour vocation d'attirer des maladies incurables dans la vie des personnes. Il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas eux qui se sont lavés, mais quelqu'un allait se laver en se lavant, il citait les noms des membres de la famille. Et en citant les noms des membres de la famille, toutes les personnes citées ont été rattaché à cette enveloppe. They were linked to that envelope. C'est-à-dire que toi tu pries mais ta mère va faire lavage chez sa femme qui prie, sa femme là qui fait les prières. You pray but your mother is going to be washed. Toi tu es à l'église mais ton père va faire des lavages chez un féticheur. You're in the shop but your father is going to be washed. Et en allant il amène le nom de tous les enfants de la famille. Why God, he brings the name of all the children of the family. Que tu le veuilles ou pas, il y a des blocages rattachés à ta vie à cause des pratiques faites par cette personne. Whether you want it or not, some blockages are linked to your life. Il y a des maladies incurables rattachées à ta vie à cause des pratiques faites par il y a des malédictions, il y a des malédictions rattachées à ta vie à cause de ce genre de pratique. C'est pour ça que cette semaine qui arrive, nous allons non seulement dénoncer ces pratiques, mais nous allons briser le pouvoir de ces pratiques. Il y a des gens qui se font laver sur des tombes. Some people are being washed on graves. Et j'ai expliqué de cela au troisième culte. And I explained that during the third service. Il y a des gens qui se font laver sur des tombes. Some people are being washed on the graves. Et en se tenant sur les tombes, ils invoquent le nom de grand-père, le nom de grand-mère. Grandfather, en réalité, ce n'est pas grand-père qui interviendra, mais c'est un démon qui prendra son apparence. Grandfather will not come, but the demon will take his form.
On demande les choses à Dieu et non à l'ancêtre décédé. On demande les choses au Père, à Dieu le Père, en passant par Jésus et non à un grand-père, une maman qui est décédée. Beaucoup d'enfants de Dieu ont fait ces pratiques dans l'ignorance. Beaucoup d'enfants de Dieu ont vu leurs parents, leurs frères faire ces pratiques dans l'inconscience. Et aujourd'hui, ces pratiques sont en train de les rattraper. Tu ne comprends pas comment tu rêves toujours des morts. Comment tu es toujours poursuivi? Parce que quelqu'un ou toi-même était allé te connecter à cet esprit de mort en se lavant sur la tombe. Il y a des artistes, musiciens, des footballeurs, des hommes politiques qui se retrouvent en train d'aller se faire laver dans les cimetières. On va le laver dans le cimetière et on lui impose de faire certaines pratiques. Et j'ai expliqué que cette semaine, je te parlerai de ceux qu'on a lavé avec le sang des chèvres. Toujours pour la guérison. Toujours pour la protection. Toujours pour l'élévation. On a amené chez le féticheur. On a coupé la chèvre. On a badigeonné le sang de la chèvre sur la personne. Et pour sauver la personne d'un sacrifice qui avait été établi. Parce que le féticheur a dit, cet enfant a déjà été vendu, a été livré. Si nous voulons le racheter, on doit tuer une chèvre. Et en coupant la chèvre, on prend le sang de la chèvre. On verse ce sang sur l'enfant. Et en versant ce sang sur l'enfant, vous ne connaissez pas ce qui vient d'être fait. Nous parlerons de ça cette semaine. Donc si tu me regardes à la télé, ou si tu m'écoutes ici ce soir et que tu es dans une famille où on avait tué une chèvre et le sang a servi à faire des lavages pour tous les enfants de la famille ou bien pour une personne, ce programme te concerne. Le Seigneur doit te délivrer pendant ce programme. Amen. Ton amen me dérange, ton amen me perturbe. Je ne connais pas les poules qu'on a utilisées. Ça dit qu'on a coupé les poules et le sang de la poule a été jeté, versé sur ta tête. On a versé ce sang sur ton corps, après on t'a lavé. Cette semaine, toutes ces pratiques et les conséquences seront révoquées dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Donne-moi amen bien s'il te plaît. Amen. Il y a plusieurs personnes qui se sont fait laver. Many people were washed. Par des féticheurs, par des marabouts. By the fetishes, witch doctors. Et pendant qu'ils vous lavaient, as they were washing you, il a dit après le lavage, tu enlèves tous les habits que tu as sur toi. Tu jettes dans l'eau. Après tu repars. Tu ne regardes pas en arrière. C'est voilà ta destinée. Le fruit de tes entrailles. Voilà ta vie. Voilà ta semence que tu as jetée dans l'eau. Et tu as donné cela aux démons du monde des eaux. Pendant cette semaine, tout ce que tu as jeté dans l'eau après un lavage, tout ce que tes parents ont jeté dans l'eau après un lavage, nous récupérons ça au nom de Jésus. Donne-moi amen bien s'il te plaît. Amen. Nous récupérons cela au nom de Jésus. Amen. Nous récupérons cela au nom de Jésus. Amen. Donne-moi amen bien. Amen. Je ne connais pas qui t'a lavé. I don't know who washed you. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le lavage est spirituel. Washing is spiritual. Dans la Bible, il y a des lavages. The Bible, they are washing. Les sorciers font des lavages. And wizards make washing. Et Naaman a reçu l'instruction de se laver. Naaman received instruction to dip himself. La Bible dit qu'à la piscine de Béthaïs, dans Jean chapitre 5, the Bible says in John chapter 5, at the pool il y avait un homme qui a fait 38 ans pour essayer de se laver le premier. A man spent 8 years il n'a jamais réussi à se laver. He did not succeed. Parce que s'il se lavait, il était guéri. J'ai expliqué au culte précédent, dans Jean chapitre 9, Jésus rencontre un enfant aveugle et Jésus crache au sol. Il mélange la poussière avec sa salive. Il dépose cette boue sur les yeux de l'aveugle. Au lieu de souffler sur les yeux, au lieu de parler sur les yeux, Jésus dit, va te laver à la réserve de Siloé. Va te laver à la réserve de ton témoignage. Go to wash yourself at the pool of your il n'a pas dit va laver ta face, il a dit va te laver tout le corps. He said, go and wash all your body. Et j'expliquais dans le culte précédent, en te lavant tout le corps, washing your whole body, un domaine peut être libéré. A domain can be released. En te lavant tout le corps, washing all your body, un domaine peut être restauré. A domain of your life can be restored. Jésus savait que le problème ne venait pas des yeux, Jesus knew the problem was not coming mais le mal the dans les yeux avait une origine quelque part dans le corps. Pain in the eyes had an origin in the body. Il y a des choses qu'on peut jeter sur ta peau, there are things that can be thrown on ça attaque your tes skin. Finances.
Il y a des choses qu'on peut jeter sur ta peau, ça attaque tes études. On peut jeter sur ton corps, ça attaque tes relations. On peut jeter sur ton corps, ça attaque tes voyages. On peut jeter sur ton corps, ça attaque ton ministère. Là, tu vois seulement que ton ministère est bloqué. Tu vois seulement que tes relations ne marchent plus. Tu vois seulement que tes finances sont à terre. Mais la chose n'a pas été jetée dans tes finances ou sur tes finances, mais ça a été jeté sur ton corps. Donc ce que tu vois dans tes finances, ce n'est qu'une conséquence de ce qu'on a jeté sur ton corps. Jésus savait que le problème ne venait pas des yeux. C'est pour ça qu'il a dit, va laver tout le corps. Et quand tout le corps a été lavé, les yeux ont été restaurés. Pendant cette semaine, le Seigneur va te laver. Le Seigneur va te laver. Il lavera tes affaires. Il lavera tes finances. Il lavera tes projets. Il lavera ta vie. Il lavera ton âme. Il lavera ton esprit. Il lavera ta destinée. Il lavera ton étoile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi, Église. Je finis en te disant ceci. Dans Esther chapitre 2, la Bible dit Esther était belle comme les autres. Mais ce n'était plus une affaire de beauté. C'était une affaire de lavage. C'est celle qui devait être la mieux lavée qui devait accéder à Assuérus au mariage. C'est celle qui devait être lavée bien. C'est celle qui devait se bien se laver. Et quand je dis bien se laver, ce n'est pas de se frotter longtemps. C'est de savoir avec quoi on se lave. N'as-tu pas vu des pasteurs ou des prêtres ou bien des marabouts qui offrent les savons aux gens? On te dit savon porte bonheur. Donc il y a le savon, il y a le savon. Donc, il y a des savons qui lavent. Il y a des savons qui lavent en profondeur. Donc le problème dans la vie de Esther et dans la vie des autres filles, ce n'était pas qu'elles n'étaient pas belles, mais c'est comment est-ce qu'elles devaient se laver. La Bible dit qu'il y a un unique qui a aimé Esther plus que les autres. Et il est venu donner à Esther des choses spéciales pour faire sa toilette. On dit qu'on parle de faire sa toilette, c'est de se laver. Parce qu'il a aimé Esther, il a donné à Esther ce qu'il n'a pas donné aux autres. Il y a des choses que tu dois comprendre. On peut tous être à l'église. On peut tous prier. On peut tous s'aimer. Mais Dieu te lave mieux que l'autre. Parce que dans l'affaire de grâce, dans l'affaire d'onction, il y a dimension et dimension. Ne te compare pas à quelqu'un. Si l'autre n'est pas bien lavé, toi le Seigneur va te laver bien. Toi le Seigneur va bien te laver. Toi le Seigneur va bien te laver. Amen. Toi le Seigneur va bien te laver. Amen. Écoute-moi, Église. Saül a péché. Dieu a même pardonné. Mais il n'a pas été bien lavé. Mais David a péché. Dieu a pardonné. Mais il a été lavé. Et ça fait en sorte que, après Saül, pas de successeur. Mais après David, il y avait un successeur. Quand tu es bien lavé, même quand tu as péché hier, demain, après ta repentance, après ta conversion, après ta repentance, le Seigneur te lave et il te fait avancer encore. Je ne connais pas ton passé, mais je viens t'annoncer par ce lavage spirituel du sang de Jésus, le Seigneur te lèvera. Le Seigneur te lèvera. Le Seigneur te lèvera. Le Seigneur te lèvera. Je prophétise, je déclare, je prophétise, je déclare, même si dans ta famille, on a fait des lavages dans les tombes, sur les tombes, dans des cimetières, chez les marabouts, chez les exorcistes, et ça a sali vos vies. Je prophétise, je déclare, par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, tout ce qui était sali, le Seigneur va laver cela. Tes affaires seront lavées. Ton étoile sera lavée. Tes finances seront lavées. Tes finances seront lavées. Ton ministère lavé. Tes projets lavés. Ta destinée lavée. Là où la vie de ta mère a été salie, cette semaine, sa vie sera lavée. Là où la vie de ta grande soeur ou ton grand frère a été salie, cette semaine, leurs vies seront lavées. Là où ton avenir, ta destinée ont été salis, cette semaine, ce sera lavé par le sang de Jésus. Ce sera lavé par le sang de Jésus. Dis Père au nom de Jésus.
Dis Père au nom de Jésus. Que tout domaine de ma vie qui a été sali par des bains spirituels, par des lavages spirituels, que tout domaine de mes affaires, dans mes finances, mes relations, mes études, mon travail, mon argent, qui a été sali par des bains chez le marabout, par l'onction de Dieu, je révoque cela. Je détruis cela pendant que je prie en claquant les mains. Je révoque cela. Je détruis cela. Je révoque. Est-ce que ce soir tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux révoquer? Révoque ce soir. Révoque ce soir. Révoque ce soir. Détruis ce soir. Détruis ce soir. Détruis ce soir. Détruis ce soir, ce que les lavages, ce que les bains ont apporté de négatif dans ta vie, dans tes projets, dans tes affaires, dans ta famille, dans tes relations, dans tes finances. Détruis, 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 révoque. Toute parole qui a été déclarée pendant les lavages, révoque. Révoque ce que ce sorcier, ce que le marabout a dit, ce que le féticheur a dit, ce que la féticheuse a dit, ce que le guérisseur a dit. Révoque ce soir. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donne-moi amen bien. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Toute maladie incurable. Pour toute maladie incurable. Qui s'est attachée à ma vie. Qui s'est attachée à ma vie. À ma famille. À ma famille. À cause des lavages. À cause des lavages. Des bains spirituels. Des bains spirituels. Je détruis cette maladie. Je détruis cette pendant maladie. Que je prie en claquant les mains, je détruis cette maladie. Détruis la maladie. Détruis la maladie. Quelle qu'en soit la maladie qui a été causée par un bain, par un lavage spirituel, détruis la maladie. Détruis. Les maladies de la peau, détruis. Les taches sur la peau, détruis. Les plaques sur la peau, détruis. Détruis maintenant. Yes. Détruis maintenant. Yes. Les boutons qui sortent sur ton visage, détruis. Détruis. Ta peau qui a tendance à se desquamer. Détruis ce soir. Détruis. Les maladies du corps. Détruis. La mauvaise odeur. Détruis ce soir. Détruis. Les odeurs corporelles. Les odeurs corporelles. Détruis ce soir. Le cancer. Yes. Le VIH. Détruis. Le sida. Toute maladie dans ton sang. Détruis. Toute maladie dans ton corps. Détruis. Dans ta tête. Détruis. Dans tes yeux. Détruis. Dans tes oreilles. Détruis. Dans tes nerfs. Détruis. Toute maladie dans ta poitrine. Dans ton ventre. Détruis. Toute maladie. Yes. Sur ton dos. Détruis. La colonne vertébrale. Détruis. Au niveau de tes reins. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Tout esprit de mort. De tout esprit de mort. Mort précoce. Mort précoce. Mort subite. Mort subite. Mort brutale. Mort brutale. Mort par accident. Mort par accident. Par assassinat. Par assassinat. Qui s'est attaché à ma vie. Qui s'est attaché à ma vie. À cause des lavages. À cause des lavages. Je renvoie l'expéditeur. Je renvoie pendant que je prie. Yes. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Retour. Prie. Toute mort précoce. Mort par accident. Mort par AVC. Mort subite. Mort tragiquement. Renvoie ce soir. Retour. La mort dans tes affaires. Retour. La mort dans tes finances. Retour. La mort dans tes relations. Retour. La mort dans tes projets. Retour. La mort dans ton ministère. Retour. 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 Mort par accident. Retour. Accident de la route. Retour. Accident par arbre. Retour. 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 À cause des lavages. My God. Ta vie était limitée. Hey. On a dit pas plus de 50 ans. Pas plus de 30 ans. Pas plus de 25 ans. Renvoie. Pendant que tu pries. Yes. Fais le retour. Retour. Le retour. Retour. Le retour. Retour.
retourne. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains, je prie pour toi. Yes. Par la grâce et par l'onction de Dieu. Que cette semaine, yes, tout lavage spirituel satanique qui a eu des conséquences maléfiques sur ta vie, des conséquences désastreuses sur ta vie, ces lavages, leur pouvoir s'est brisé dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Pendant cette semaine, yes, le Seigneur nettoie ton corps. Amen. Nettoie ton esprit. Amen. Nettoie ton âme. Amen. Nettoie ton étoile. Amen. Tout lavage fait avec des chèvres et des poulets. Que les conséquences soient brisées à ton niveau au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te nettoie pendant cette semaine. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame Jésus bien. Assieds-toi, Dieu te bénisse.